建设、富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。 Le temps est témoin de l'histoire. Il la rédige également. Voici le plus grand pont maritime au monde. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. De nombreuses innovations technologiques, les unes après les autres, ont créé ce chef-d'œuvre dans l'histoire mondiale de la construction des ponts. De sa conception à sa mise en circulation, les constructeurs chinois ont consacré plus d'une décennie. Un pont peut devenir le reflet de la puissance de la Chine contemporaine. De la pauvreté à la prospérité, de la famine à la moyenne aisance, le pays a voué 70 ans d'efforts pour se relever, s'enrichir et devenir plus fort. La nation chinoise, dans une nouvelle posture, se dresse en Orient et franchit le pas vers une nouvelle ère. Il y a 70 ans, les Chinois n'auraient jamais pu imaginer comment la Chine d'aujourd'hui changerait en une minute à peine. Car en une minute, le train à grande vitesse Fuxing avance de 5 833 mètres. Les montants du paiement mobile atteignent près de 400 millions de yuan. 9 600 colis sont livrés aux destinataires. Le PIB augmente de 157 millions de yuan. 475 mètres de routes rurales sont rénovés. Près de 30 millions de yuan de marchandises partent à l'étranger. Des montagnes enneigées dans le nord. Aux îles du sud. De la côte à l'est, à l'arrière-pays, à l'ouest, des miracles se produisent à chaque minute dans cette nouvelle ère. C'est une performance remarquable.
En 2018, le produit intérieur brut de la Chine a dépassé 90 000 milliards de yuan. En 1952, ce chiffre était de seulement 67,9 milliards. La Chine d'aujourd'hui est la deuxième puissance économique du monde, mais aussi le plus grand pays manufacturier, le plus grand pays en commerce de marchandises et le plus grand pays en réserve de change. La Chine est aussi première dans la production d'acier et de charbon brut, d'électricité, dans le kilométrage des lignes à grande vitesse et le kilométrage des autoroutes mises en service. La Chine a construit le système industriel moderne le plus complet au monde, devenant le seul pays à posséder toutes les catégories industrielles de la classification de l'ONU. Les bonnes nouvelles concernant l'innovation technologique et l'ingénierie sont nombreuses. Tongguan est un petit village au fin fond des montagnes du Guizhou. Grâce à Internet, les habitants et les chants de l'ethnie Dong sont devenus célèbres. Le festival du Grand Chant de cette année est spécial. Il sera retransmis en direct avec la technologie 5G. La 5G est la technologie mobile de 5e génération. Son débit de transfert de données puissant apportera une grande commodité aux gens. Son utilisation dans la téléphonie, l'informatique, la médecine, la voiture intelligente et dans bien d'autres domaines va profondément modifier la société. Le signal 5G, bravant les barrières de la montagne, a transporté les chants de l'ethnie Dong hors des montagnes. En tête également, les supercalculateurs chinois occupent presque la moitié des places du top 500 des supercalculateurs dans le monde. Le lancement dans l'espace de Tiangong 2 a inauguré l'ère de la station spatiale chinoise. Alors que le submersible habité Jiaorong explore les abysses mystérieux et caresse les profondeurs de la Chine. Le 3 janvier 2019, au bout d'un long trajet de 26 jours, Chang'e 4 réussit son alunissage sur la face cachée de la Lune. Sous les yeux du monde entier, la Chine a ouvert en premier la porte de la face inexplorée de la Lune, laissant la première trace humaine sur le dos de la Lune. Chang'e est le nom du projet d'exploration lunaire chinois. En 2004, le premier projet d'exploration lunaire de la Chine a démarré avec la première sonde lunaire baptisée Chang'e 1. Le 5 novembre 2007, transportant l'espoir de tout un peuple, Chang'e 1 réussit la troisième opération de freinage au périlune et entre avec succès dans l'orbite de la Lune. À ce moment précis, le premier commandant général du projet d'exploration lunaire, l'académicien Luan Hengjie, le premier concepteur en chef, l'académicien Sun Jiadong, et le premier scientifique en chef, l'académicien Ouyang Zhiyuan, qui en avaient rêvé toute leur vie, se sont jetés dans les bras. En 2008, Wu Weijun a succédé à Sun Jiadong dans le projet d'exploration lunaire. La lutte est dure et heureuse à la fois. 10 000 sans 1 égale à 0.
cette devise reflète la grande exigence dans le travail à l'aérospatiale. Afin que l'engin spatial puisse répondre à la norme zéro défaut, haute sécurité, les ingénieurs spatiaux se trouvent toujours dans un environnement de travail intense et stressant. Leur travail ne leur permet pas d'être présents au moment glorieux des missions spatiales. Mais motivés par la sincérité envers la patrie, ils ont créé des records pour la Chine qui ont surpris le reste du monde. Aujourd'hui, les Chinois patriotiques ont déjà fait de l'innovation leur quête persistante. Depuis longtemps, la Chine, sans son propre avion de ligne, achète des appareils étrangers ou a recours à la location. En 2007, le projet d'un avion de ligne Made in China a été officiellement lancé. Il faut 10 ans de travail pour façonner une épée. On peut atteindre la Lune là-haut et attraper la tortue au fin fond des 5 océans. Ce sont les records créés grâce aux forces scientifiques, technologiques et industrielles de la Chine. Cela traduit l'affection la plus chère que le peuple souhaite manifester à sa patrie. Au matin, le berger d'Erdos, Jirigala, a accroché un module satellite au cou du taureau en tête du troupeau. Il peut maintenant laisser le bétail se déplacer librement, car le satellite de positionnement Beidou surveille les troupeaux pour lui. À l'aide d'une application mobile de positionnement, Gala est informé en temps réel et à distance de la position et de la vitesse de déplacement de son troupeau. Il peut même savoir si la vache a mis bas. Depuis des milliers d'années, les bergers font pâturer, souvent à cheval. Ils suivent partout leurs troupeaux. Pour suivre ces bovins, Gala, lui, a usé 8 motos en 6 ans. Maintenant, grâce au système de positionnement Beidou, il est complètement libéré. Le temps libre a permis à Gala de cultiver 2 hectares de terre de plus. Les revenus de la famille ont ainsi été augmentés. Le système de positionnement Beidou a radicalement modifié le travail des bergers transmis depuis des millénaires. Il en est de même pour la pêche maritime, l'agriculture de précision, l'électricité, la navigation automobile, le sauvetage, etc. Aujourd'hui, Beidou fournit des services de navigation basiques aux pays riverains de l'initiative La Ceinture et la Route. Le TGV Fuxing, Renaissance en chinois, est un nom qui en dit long. Le train à grande vitesse a considérablement modifié la notion du temps chez les personnes. Il connecte les villes animées et va jusqu'à influencer les villages les plus éloignés. Le district autonome de l'ethnie Dong à Sanjiang du Guangxi est situé au fin fond des montagnes à la jonction des 3 provinces et régions, le Hunan, le Guangxi et le Guizhou. Son environnement naturel extraordinaire fait de montagnes donne naissance à un excellent thé. Pourtant, à cause de son accès si difficile, les cultivateurs de thé vivaient depuis toujours dans la pauvreté. En mai 2015, le train à grande vitesse reliant Sanjiang à Guangzhou a été mis en service et Sanjiang est devenu le premier district autonome des ethnies minoritaires du pays à en profiter. La mise en service du train à grande vitesse et de l'autoroute a offert des opportunités selon Wu Hui. Elle a quitté son travail en ville et est retournée dans sa région natale pour se lancer dans le commerce du thé avec son mari.
如果是早春堂的时候，五六点的时候，整个这里都全部摆满了，包括那边的过道全部摆满了。Les marchands de thé viennent de partout dans le pays. Au moment où les transactions sont les plus animées, environ 50 tonnes de thé sont vendues chaque jour, d'une valeur de plus de 6 millions de yuan. À Shenjiang, il y a encore 250 000 cultivateurs de thé qui, comme Wu Hui, à l'aide du train à grande vitesse, se sont débarrassés de la pauvreté et ont entamé une vie meilleure. Le train à grande vitesse a permis de diffuser le thé de Shenjiang dans tout le pays, mais a également fait venir les touristes. Le train à grande vitesse, ce miracle chinois, s'étend sur les terres chinoises. À la fin de 2018, le kilométrage du réseau ferré à grande vitesse en service en Chine dépassait les 29 000 km, ce qui le place au premier rang mondial. On prévoit même qu'en 2020, le kilométrage ferroviaire à grande vitesse sera supérieur à 30 000 km, couvrant plus de 80% des grandes villes de la Chine. Un plan de réseau ferré qui s'étend horizontalement et verticalement dans tout le pays a été dressé. Aujourd'hui, le Made in China, la création chinoise et la construction chinoise ont progressé conjointement, laissant entrevoir un grand renouveau de la nation chinoise. Les grands progrès sont réalisés par la population qui en profite en retour. On doit garder le meilleur de la vie pour les gens. Le miracle du développement de la Chine est visible dans les bouleversements du pays, mais également dans la belle vie de plus d'un milliard de Chinois. Des millions de cages flottent sur le long littoral. C'est là où se trouve la ferme de fruits de mer de la Chine. La Chine est le plus grand consommateur de fruits de mer au monde. Avec 65 millions de tonnes, elle consomme 45% du total de fruits de mer dans le monde, dont 50 millions de tonnes proviennent d'exploitations aquacoles. Mais la Chine n'est pas seulement en tête dans la consommation de fruits de mer. À Pinghu, dans la province du Zhejiang, se dressent de nombreuses maisons qui brillent au soleil. Ce sont les serres dans lesquelles sont plantés des légumes. Grâce à la technologie, les Chinois consomment une grande variété de légumes sans être soumis à des restrictions saisonnières. Cette chanson, qui parle du cochon de Ninxiang, dans la province du Hunan, est tellement accrocheuse par les paroles et la musique qu'elle a contribué à faire la réputation du cochon de Ninxiang dans le pays. Grâce à la technique des mégadonnées et le commerce en ligne, la viande de porc à la fois nutritive et délicieuse est vendue dans toute la Chine. Dans le Jiangsu, les crabes du lac Yancheng sont aussi commercialisés sur Internet. Aujourd'hui, les gens peuvent presque tout acheter en ligne. Le volume des transactions en ligne en Chine se classe aussi au premier rang mondial. Le père du riz hybride de la Chine, Yuan Longping, déjà âgé de 89 ans, poursuit encore ses recherches. Il étudie une variété de riz pouvant résister à l'eau de mer. Il peut maintenant répondre à la question « Qui va encore bénéficier de la technologie chinoise en matière de plantation céréalière ?» Le développement rapide de l'économie et le progrès permanent de la technologie ont fourni une base matérielle solide pour une vie meilleure et ont forgé la réputation d'une Chine gastronome.
La mi-mai est la saison pour le repiquage du riz dans le nord-est du pays. Zhang Jinghui et ses employés commencent déjà leur journée alors qu'il n'est pas encore 4 heures du matin. Zhang Jinghui a contracté une rizière de 20 hectares où il prévoit de terminer le repiquage dans 10 jours. Il y a quelques années, Zhang Jinghui a acheté divers équipements agricoles tels que des repiqueuses et des récolteuses de riz pour que la culture printanière et la moisson d'automne s'effectuent avec une plus grande efficacité. Beida Huang était jadis une terre déserte et inaccessible. Aujourd'hui, elle est devenue une base de production de céréales avec un haut degré de modernité et une forte capacité de production, et elle sert de base de démonstration pour l'agriculture moderne. À l'automne, saison des récoltes, le système de positionnement global installé dans la ferme Tsixing permet la surveillance de chaque machine, leur emplacement et leur travail de récolte. Il rend aussi possible la distribution unifiée et le contrôle unifié. Le niveau de modernisation de l'agriculture à Beida Huang est déjà parmi les plus avancés au monde. Depuis des décennies, les exploiteurs de cette terre incultivable y ont consacré leur jeunesse, leur sang et leur sueur, parfois même leur vie, dans un esprit de travail acharné, de courage, de prise en compte de l'intérêt général et de dévouement désintéressé. Ils ont transformé Beida Huang, une terre sauvage depuis des millénaires, en un grand grenier de la Chine. À la saison des récoltes, en automne 2018, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, s'est rendu dans une ferme à Jiangshanjiang. Aujourd'hui, la Chine tient déjà fermement son bol à manger. Les sacs de riz sont remplis, les paniers de légumes sont variés, la production de fruits et légumes, d'œufs, de viandes et de fruits de mer est la plus élevée au monde. La table des Chinois évolue également avec le développement économique qui a métamorphosé le bien-être de la population. FAST est l'abréviation anglaise du plus grand radiotélescope du monde qui présente une ouverture sphérique d'un diamètre de 500 mètres. Conçu et fabriqué par la Chine, il est surnommé l'œil du ciel chinois. Nan Zhendong, qui est l'initiateur et le fondateur du projet, est connu pour être le père de l'œil du ciel. En 1994, Nan Zhendong a renoncé à une carrière bien rémunérée à l'étranger et est retourné en Chine pour construire un super télescope appartenant à la Chine. Il a passé les 20 dernières années de sa vie à trouver le site, tester, concevoir et construire ce super équipement.
L'esprit de la science est transmis de génération en génération pour construire l'avenir de la science. Aujourd'hui, la nouvelle génération chinoise prend le relais et prend part aux projets et travaux scientifiques majeurs. À Beijing se trouve la soufflerie hypersonique la plus puissante au monde. Les jeunes scientifiques chinois l'utilisent pour la recherche indépendante sur la prochaine génération de technologies aéronautiques et astronautiques. À Xi'an, l'équipe de recherche et développement pour les avions a un âge moyen de 30 ans. Elle est considérée par les pairs internationaux comme le cerveau de conception le plus jeune. À Chengdu, des jeunes dynamiques guident l'avenir du train à sustentation magnétique. À Wuxi, dans un laboratoire national clé, des jeunes mains ont créé le record mondial pour l'efficacité des cellules photovoltaïques au silicium cristallin. À Hefei, l'équipe de sciences quantiques, âgée en moyenne de 35 ans, a réussi pour la première fois au monde la téléportation quantique à haute dimension. À 2400 mètres sous terre, au-dessous de la rivière Yalong, les jeunes scientifiques s'efforcent de trouver une matière noire appelée fantôme cosmique. La Chine a pu mener ses propres recherches sur la détection de la matière noire, le sujet le plus pointu au monde. La Chine d'aujourd'hui n'est pas seulement la Chine, mais la Chine du monde. Cette ancienne civilisation orientale a connu une grande transition. Elle s'est réveillée, s'est levée et se métamorphose aujourd'hui. En entrant dans une nouvelle ère, le développement de la Chine influence le monde de manière profonde. Tout en libérant continuellement son dynamisme économique, la contribution en moyenne de la Chine à la croissance économique mondiale atteint 30%. En 2016, les regards du monde ont été focalisés à Hangzhou, qui accueillait le sommet du G20. Les dirigeants des 35 pays et responsables des organisations internationales se sont rassemblés au bord du lac de l'Ouest. Lorsque l'économie mondiale se trouve de nouveau à un tournant critique, les yeux du monde sont tournés vers la Chine. Pour la première fois, le sommet du G20 à Hangzhou a placé la question du développement au premier plan de la politique macroéconomique mondiale, en élaborant, pour la première fois, un plan d'action pour la concrétisation du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 et en soutenant collectivement, pour la première fois, l'industrialisation de l'Afrique et des pays les moins avancés. Tout cela traduit la responsabilité d'un grand pays. China is one of the central components of today's international community. In a world that's being multipolar requires also multilateral forms of governance, I think China today has a very important role to play. For Africa, we are so happy to have a friend to help us grow our own economies, modernize our own economies, and at the end of the day, also become middle-income countries or perhaps developed countries in the future. L'océan, avec toute sa majesté, véhicule l'admiration et la pensée d'innombrables personnes. Aujourd'hui, l'économie chinoise, par son étendue, est semblable à un grand océan. Elle peut alors être déferlante et galvanisante. Que ce soit dans le pays ou à l'étranger, tous les Chinois peuvent ressentir les transformations qui se produisent dans leur patrie. Voici un flash mob qui a eu lieu à Toronto, au Canada. Des centaines de Chinois se sont réunis pour exprimer leurs souhaits les plus sincères à la patrie.
À l'époque, c'était en traversant l'Indinyang que Wen Tianxiang avait laissé la fameuse phrase « Je n'ai d'autre désir que de laisser mon cœur loyal briller dans les pages de l'histoire ». Aujourd'hui, le grand pont Hong Kong-Zhuhai-Macao peut contribuer au décollage économique de la conurbation de la baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Sur la carte de l'économie mondiale, un nouveau groupe de villes de classe mondiale est en train d'émerger. Le Yangtze est le fleuve mère qui a nourri la civilisation chinoise. Les régions le long du fleuve ont adopté les nouveaux concepts de priorité écologique et de développement vert et font preuve d'une vitalité dans le développement coordonné. Elles s'engagent à construire la plus grande et la plus influente ceinture économique fluviale intérieure. La nouvelle zone de Xiong'an constitue la clé pour résoudre un développement coordonné de la zone Beijing-Tianjin-Hebei. Un nouveau pôle de croissance économique et sociale a été créé dans le nord de la Chine. C'est une ville du futur qui concerne un gros plan national sur le long terme. Cette ville, dotée de l'éclat de la nouvelle ère, dessine le modèle de demain. Le rêve est dans notre cœur et l'avenir dans nos mains. Le temps ne s'arrête pas, les saisons filent comme les cours d'eau. C'est la grande créativité des Chinois qui donne lieu à des milliers de miracles chinois. Le peuple chinois s'engage tout entier dans le grand rêve chinois pour créer une nouvelle ère de gloire. Je suis